Bonjour, bonjour les amis, ça va bien chez vous j'espère. En tout cas moi je pète la forme, je vais super super bien. Je vous reviens dans cette vidéo pour parler de certaines choses. Dans cette vidéo on parlera de la sortie de deux ados. Je lancerai aussi un message à tous les fans de Desbordeaux. Et puis on reviendra sur le dit règlement de Sangaré Lamine. Voilà. Eh bien, avant tout ça, je voudrais parler une minute de ma vidéo d'hier. En fait, moi, ce que j'ai constaté, ce que j'ai compris dans ma vidéo d'hier, c'est qu'il y a beaucoup de frustrés sur la toile. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes en manque d'amour. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas nées avec l'amour de leurs parents et ou bien qui n'ont pas reçu beaucoup d'amour dans leur enfance, donc qui s'acharnent un peu sur les réseaux sociaux. Bon. Pour parler brièvement, le mec il a fait sa vidéo, il a dit certaines choses. Voilà, moi je respecte toutes les religions. Vous ne me verrez jamais critiquer une religion comme vous le faites. Vous voyez un peu? C'est à cause de ce genre de personnes comme vous là que le monde court à la dérive là. Vous êtes tellement méchant intérieurement que vous exteriorisez ça tous les jours sous les vidéos des gens. Et ce qui est bizarre avec vous, je sais que. Le monde n'a jamais fait l'unanimité, mais souvent, faut mettre un peu d'amour dans son langage, quoi. Voilà. Nul ne détient la vérité. C'est pourquoi il faut respecter les musulmans, il faut respecter les bouddhistes, il faut respecter les hindouistes, il faut respecter en tout cas, il faut respecter chaque religion. Il faut respecter chaque religion. Vous pensez détenir la vérité, or vous êtes tous hors de la plaque. Hors de la plaque, chacun a sa vérité, chacun a sa doctrine, chacun a sa théorie. Donc arrêtez d'exposer toujours votre médiocrité sur la toile. Voilà, moi j'ai donné la réponse que ce monsieur l'a mérité. Si ça vous a dérangé, c'est tant mieux pour vous. Mais moi au moins si j'ai fini de parler. Et puis quand tu n'es pas intéressé par quelqu'un, tu ne regardes pas ses vidéos. Moi il y a des personnes sur YouTube ici que j'ai jamais regardé la vidéo, parce que ça m'intéresse même pas. Voilà, en moins de 5 mois, près de 8 000 personnes le soutien à ma cause, je pense que c'est à féliciter, c'est à louer. Voilà, beaucoup d'hommes prennent plus de temps que ça pour atteindre le nombre d'abonnés que j'ai eu. C'est ce que je devais souligner au partage. Et puis, vous me dites que ma chaîne c'est pour des Bordeaux ou bien j'ai fait ça juste pour avoir des abonnés pour parler d'autres choses. Ma chaîne, je parle de tout. Même si je suis l'un des plus grands fans de Bordeaux, dans ma chaîne, je parle de tout. Voilà, elle n'est pas exclusivement des Bordeaux. Voilà, des Bordeaux, c'est mon artiste. Je me suis porté volontaire pour le soutenir dans son combat. Donc, c'est pas vous que je connais même pas, que j'ignore. Vous allez vouloir me contraindre à faire certaines vidéos seulement pour Desbordeaux. Parce que lui-même, peut-être qu'il ne sera pas d'accord avec ça. Parce que la belle affaire, c'est lassant. Bref, je ne vais pas m'attarder sur vous parce que vous n'en valez pas la peine. Merci. Voilà, comme je vous ai dit dans le début de ma vidéo, j'allais me prononcer sur le soi-disant règlement de Lamine Sangaré et puis lancer un message aux fans de Bordeaux et puis vous parler de la sortie du 2 ados. D'abord, pour parler de la sortie du 2 ados, vous voyez le truc c'est quoi? Souvent, soyez compréhensif, chers fans, vous comprenez? Il n'y a pas plus impatient que moi. Voilà, il n'y a pas plus impatient que moi. Je vous ai donné un bout du 2 ados ce matin. Ça veut dire que le son est fini en fait. Tout est fini, tout est prêt en fait. Mais quand quelqu'un est dans les problèmes, quand quelqu'un est concentré à résoudre un problème, faut le comprendre, faut pas le stresser. Vous pensez qu'à vous, à vous satisfaire, sonnons les deux ados, sonnons les deux ados pour qu'on soit satisfait. Mais pendant qu'il est en train de régler un problème de millions, vous, ça vous intéresse pas. Vous voulez seulement que deux ados. Je respecte ça parce que vous êtes des fans. On doit s'occuper de vous, on doit vous entretenir, mais souvent, soyez compréhensif, soyez très compréhensif. Voilà, c'est pas qu'il vous prive du deux ados. Le deux ados est déjà prêt. Ouais, il était juste en train de boucler certaines choses. Je pense que dans les jours à venir, vous aurez les deux ados. Mais soyez compréhensifs, je vous demande pardon. Parce que nous, les fans de Bordeaux, nous sommes différents des fans des autres personnes, des autres artistes. C'est ce que je dis toujours. C'est pourquoi quand je vois certains fans de Bordeaux se mettre là sur la toile à insulter comme certains fans d'autres artistes le font, ça me fait un peu mal. Mais bon, c'est votre chaîne, vous dites ce que vous voulez dessus. Mais en même temps, vous salissez le nom de tous les fans de Bordeaux. C'est ce qui n'est pas intéressant dans l'histoire. On n'est pas obligé d'insulter pour se faire remarquer. C'est ce que je dis toujours dans mes vidéos. Vous comprenez un peu? Donc, pour les deux ados, c'est bientôt. Voilà. Le mec, il avait un problème qu'il était en train de résoudre. Donc, c'est ce qu'il faisait.
qu'il a pas voulu, il n'était pas concentré à mettre le deux autos sur le marché. Parce que mine de rien, quand tu mets un opus sur le marché, il faut le suivre, il faut faire la promotion, il faut faire la com et tout ça. Tu ne peux pas être dispersé quand ton esprit est concentré sur quelque chose. Vous comprenez un peu? Donc essayez de comprendre. Le deux autos sort bientôt. Tout est déjà calé, tout est déjà prêt, tout est déjà cuit. Donc soyez serein. Le son va faire 2 millions de vues en une semaine. C'est moi qui vous le dis. Observez avec moi. Vous ne serez pas dessus. C'est un son de malade, de malade, de malade. Voilà. Maintenant, pour la soi-disant, pour le soi-disant règlement de la Miss Sangaré. Bon, je ne vous dis pas que c'est faux. Tout porte à croire que c'est vrai. Mais moi, je suis un gars, je fais tout selon mon artiste. Vous comprenez un peu? Moi, je dis que tant que mon artiste n'a pas encore fait de vidéo pour confirmer ou bien n'a pas encore fait de post pour dire que l'affaire est réglée, nous, on reste sur notre fin parce qu'on s'est dit notre artiste n'est pas encore réglé. Maintenant, s'il est réglé, maintenant que notre artiste prend son temps pour nous informer, ça aussi, forcément, il nous le dira après. Voilà. Sinon, moi, pour l'instant, je suis Judas. Mon artiste n'a pas encore confirmé le poste de Lamine Sangaré. Donc, moi, je considère toujours que mon artiste est en train de chercher ses 15 millions. Maintenant, si c'est réglé, Dieu merci. Moi, je dis Dieu merci. Je dis Dieu merci. Je dis Dieu merci. J'ai dit Dieu merci. Vous comprenez un peu? Sinon, quand j'ai vu le poste de Lamine Sangaré, j'étais très heureux, j'étais très content. Et puisqu'actuellement, mon artiste aussi, je lui ai demandé de rester dans un silence total. Souffrez que on soit un peu perdu. Mais rassurez-vous, je pense que ça peut être une information vraie. Mais je ne confirme pas, c'est ce que je dis toujours. J'attends toujours la confirmation de mon artiste pour faire une vidéo de remerciement et d'éclaircissement sur cette affaire de Lamine Sangaré et des 15 millions de francs CFA. Donc c'était ça un peu ma vidéo du jour. Partagez au maximum si elle vous a plu et puis continuez de vous abonner. Merci, 7 900 abonnés. Pendant que certains sont en train de jalouser la pauvre personne que je suis, souffrez quoi, souffrez. Voilà. 7 900 abonnés, c'est pas petit, hein. 7 900 âmes qui te suivent. Moi je pense que c'est à louer. Non, arrêtez de critiquer, hein, ça sert à rien, ça ne fait pas évoluer en fait. Voilà, que Dieu vous bénisse et puis très bon dimanche à tous.